attendez une minute les élèves. Je dois aller photocopier vos examens. Restez calme et sage. Je parie que c'est quelqu'un qui nous fait une blague. Non, c'est sûr que c'est pas un élève, c'est pas une blague à faire à l'école. T'inquiète, c'est juste le vent au pire. Impossible que ce soit le vent, les lunettes sont toutes fermées et le vent ne passe pas. Mais qu'est-ce que vous avez à être si inquiet de même? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais madame, parce que la porte s'est fermée et ouverte toute seule, on a eu peur. Mais non, y a rien, c'est juste le vent. Impossible que ce soit le vent. On va devoir former une équipe d'enquête pour comprendre ce qui se passe ici. Si je vous ai réunis ce matin, c'est pour vous parler du phénomène qui s'est produit dans la classe. Notre équipe d'enquête devrait être courageuse tout au long de cette aventure. On doit garder cette réunion secrète car ça pourrait inquiéter d'autres élèves. On va travailler dans l'ombre. Si ça semble vrai, ces phénomènes, on devrait appeler les Ghostbusters. Ghostbusters, nanana, 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 Ghostbusters. Un peu de sérieux, ça n'existe pas les Ghostbusters sauf dans les films. Bon, quelle stratégie on utilise pour trouver ce phénomène par un... Vous avez entendu que moi ce cri d'horreur? Je vous avais dit qu'il fallait appeler les Ghostbusters. Je quitte l'équipe d'enquête. Ok, on doit retourner en classe. On se rejoint demain, même heure, même poste. Il y a un gars à la récréation qui m'a dit que j'étais trop belle, alors je vais me coiffer pour être encore plus belle. Ça m'est arrivé aujourd'hui. Imagine si le même garçon et devrait choisir entre nous deux. Ce n'est pas de votre âge d'être en amour. Et en plus, c'est pas maintenant que vous allez trouver le grand amour. Allez, c'est dangereux, on doit partir d'ici. Oh non, je n'ai pas eu le temps de me coiffer. On a vu, non. J'ai pas eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas ma guide, Mnia. Estamos poseídos. Aún no nos comprobamos el hal. J'ai compris. Ils sont possédés. Ils parlent arabe. Ils demandent qu'on l'aide et qu'on trouve une solution. C'est pas la première ni la dernière fois que cela va lui arriver. Je vais inviter mon comité d'enquête aux toilettes. Oui. Il est où notre enseignant? On s'en fout carrément que le prof n'est pas là. Qui est le fantôme de notre école? Tu trouves pas que tu poses la question trop rapidement? Est-ce qu'il y a un fantôme dans notre école? Coudon, vous posez toujours la même question. Il faudrait peut-être fermer la lumière. Oui. Vicha, est-ce que tu peux faire apparaître l'esprit de l'école? Le fantôme ressemble à notre prof, c'est bizarre. Merci de m'avoir délivré de mon corps de fantôme. D'ailleurs, comment vous avez fait? On a joué au Ouija, mais d'abord, expliquez-nous qui vous êtes et pourquoi vous ressemblez au prof. Allons dans la classe, je vais vous expliquer l'histoire à tous. Ne vous inquiétez pas, elle est gentille. Elle va nous expliquer qui elle est et pourquoi.
Je suis votre professeur qui est devenu un fantôme, car un jour, il y a très longtemps de ça, un élève m'a poussée dans les escaliers et je suis morte. Je suis revenue un fantôme pour trouver le coupable, mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé. Mais êtes-vous sûre que c'est quelqu'un qui vous a poussée? Non, je crois pas. Je pouvais pas mourir en trébuchant. J'étais quand même jeune, alors je pouvais pas tomber en tombant. Mais moi, je suis déjà tombée dans l'escalier, mais je ne suis pas morte. Mais pourquoi ce matin vous étiez visible alors que maintenant vous êtes bizarre? Parce que je suis morte dans cette école. Donc la plupart du temps, j'ai une apparence humaine. Mais à cause du Ouija, je deviens transparente. Et comment peut-on vous aider à redevenir humaine? Demandant au Ouija de nous faire voir la scène du meurtre. Oui, bonne idée. Ouija, demande-nous ce qui s'est passé avec notre professeur devenu fantôme. Oui, je suis redevenue moi-même. Oui. Bon, on continue les examens? T'es sûr? C'est plan 2? Pas grave. OK. Annonce. Scène 1, plan 1, prise 2. Tu fais clap, tu clap? Ah oui. Oui, très bien. OK, on recommence. Qu'est-ce que tu faisais avant? Il paraît que c'est quelqu'un qui nous fait une blague. J'ai très peur. C'est sûr que c'est pas un élève, c'est pas une blague à faire à l'école. T'inquiète, c'est juste le vampire. Mais qu'est-ce que vous avez à être si inquiet de même? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais non, c'est juste le vent. Je vais vous redonner vos examens. C'est pas grave. C'est vrai que là, t'attends la... Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Tu lis. Donc, tu lis. Mais là... On doit garder cette réunion. Wow. Je t'ai réveillé au cours de la réunion. Quand on dit action, on... Помогите мне. Кофеле? Regarde. J'ai compris, il parle arabe, il demande quand on l'aide à... Qu'est-ce que tu regardes? Je veux que tu sois vraiment... T'as vraiment découvert le poteau rose, là. C'est pas la première ni la dernière fois que cela va lui arriver. Oui, c'est bon avant de... C'est bon, on coupe. Scène 5, plan 4, prise 2. 5, plan 3, prise 1. T'es sûr? C'est trop fort maintenant. Ouija. Oh, quel est le fantôme? Attends. On attend pour la claquette, on fait passer par là. 2, 3, action. Ouija, est-ce que tu peux faire apparaître l'esprit de l'école?
Allons dans la classe, je vais vous expliquer l'histoire à tous. Bon, on a une cloche d'école. Toi, tu t'en vas à ce moment-là? Oui, bien, il faut que tu parles, OK? On le refait. Donc, soyez prêts. Scène 6, plan 2, prise 1. Très bien. 1. 2. 3. Et. Mets-toi dans la peau du fantôme. Car un jour, il y a très longtemps de ça, un élève m'a poussée dans les escaliers, je suis morte. Je suis votre professeur qui est de... Non, c'est pas ça. Je suis un fantôme qui est devenu... Je suis votre professeur qui est devenu un fantôme car un jour... Je suis votre professeur qui est devenu un fantôme. Car un jour, il y a très longtemps de ça, un élève m'a poussé dans les corridors... Dans les corridors? On continue. Scène 6, plan 7, prise 1. Je peux pas.